t'as bien cadré, frère. Je pense que tu dois avoir une super image. Salut tout le monde, c'est une vidéo. Mais salut. Attends, mec, faut que je te filme. Vas-y, mec, fais-moi la meilleure intro, s'il te plaît. Meilleure intro de ma chaîne, let's go. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on est dans une putain de villa, genre incroyable et surtout vraiment là, trop belle. Une villa t'as peur. On est accompagné surtout, on est en bonne compagnie parce qu'on a Antoine de Scoot de Ski. Ouais. Y'a tout le monde. On a un autre beau gosse qui est là, Sora. Hey. Et on a tous qu'on a du mal à et il y a moi, bien évidemment. Du coup aujourd'hui on va faire un cache-cache qui va se passer en deux manches. Une manche où je vais forcément trouver les frérots ici, là. Et une deuxième manche où je vais moi-même me cacher. Vous allez avoir 3 minutes les gars pour pouvoir vous planquer dans toute la villa. On avait pas négocié 4 minutes. Ouais, on avait négocié 10 minutes. Mais Antoine il avait négocié 10 minutes. 10 minutes, c'est même négocié 1 heure de chercheur. Allez, 3 minutes 30. Ok. On coupe la poire en deux. 3 minutes 30 de temps. Et vous avez droit aussi les gars, vous pouvez exploiter tout l'espace extérieur de la villa. On peut être à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, l'extérieur, sur le toit, dans la cave, il n'y en a pas. Mais partout, partout. On va dans la piscine. Tu peux compter dans le garage toi? Tu veux compter à l'aéroport? Ouais, je prends un Uber. Ouais, je vais à l'aéroport et je compte à l'aéroport. Même tu rentres dans l'avion et tu... Ah, c'est drôle! Les gars, je vous invite à aller vous cacher. Déjà? Je vais l'activer. C'est toi, pars, c'est toi, pars, ouais. Je me casse, c'est toi, pars, cachez-vous en fait. C'est toi, cachez-vous en fait. Vas-y, pars là. Bon, je vais aller compter, les gars. 1, 2, 3, go, c'est parti les gars, let's go. Je sais pas où me cacher, j'ai aucune idée. J'ai une super cachette, il faut que je l'attende en fait. Mais normalement ça devrait se passer, ça devrait bien se passer. Mais attendez, je vais faire un tour vite fait du jardin. Aucune idée de me cacher par contre, je sais pas du tout. Déjà ça va partir sur l'extérieur, c'est sûr. Ok bah les gars, on va attendre 3 minutes 30 dehors ici. Et moi je vais rester là, ici, je vais attendre. Et y a un mec qui me regarde chelou là-bas, il se dit c'est quoi ce con avec sa cam. Ma cachette, une valise. Je vais avoir besoin de Mélissa, ici présente, la chargée de prod de Sora, pour m'aider à rentrer dedans. Enfin, surtout à la fermer en fait. Peut-être sur le toit, mais comment je peux monter sur le toit? Je voulais faire sur le toit aussi, mais on peut accéder au toit, tu penses? Mais après, je sais pas comment monter sur le toit, tu vois. Ah, je sais pas non plus, mec. Ah, je vois pas. Ah, on grimpe le palmier, tu vois. Vas-y, je vais essayer de grimper par là. Oh, bon, attends, mais. Flingue pas la villa, frère, s'il te plaît. Vraiment pas que tu bouges. Oh là là là, mais... Bon bah gros, bonne cachette hein. Les potes, on est sur le toit de la villa. Il ira jamais te chercher là-bas gros. Tu penses? Mais c'est sûr mec. Bon bah les gars, on est sur le toit de la villa. Je sais pas où me cacher. Sors, tout là-bas derrière, regarde t'as un truc. Derrière, peut-être au fond. Du jardin. Parce qu'en fait c'est ça qui gêne au cas où, parce qu'il va forcément regarder dans les placards, mais genre il a l'espace de passer en fait. Donc en fait ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est que la valise soit même au niveau de tes pieds là. Retourner bien sûr, mais genre là. Ouais, je sais pas ce que je fais les gars, je sais pas ce que je fais. Je voulais me mettre là-haut là, mais je sais pas si c'est faisable. J'ai peur de péter un truc. Moi je vais me casser la gueule. Putain. Bon, je vais essayer de pas trop parler pour pas me faire cramer. Chut. Parce que s'il passe en bas, je meurs. Après il osera pas, il osera jamais cramer. Je vais mettre mon téléphone. Tu peux aller par là. Oh là là. Désolé pour l'enlever tout froid, les gars. On souhaite un bon courage à tous. Ah mon dieu. Sous le lit, ça fonctionne ou pas? Non, le lit il est trop bas. Oh. Bah écoutez, je vais me mettre au fond du jardin, je vois que ça. Franchement, je vois que ça. Ou derrière ça, à la limite. Ah, je vois que ça. Écoutez, j'ai ma clin. Si je me fais pas bouffer par une migale, je comprends pas. Bon les gars, les 3 minutes 30 sont enfin écoulées. Je vais pouvoir aller les chercher. En vrai, genre, j'avais trop hâte que je puisse commencer. J'avais trop chaud. Je me suis mis là, dans un coin au soleil. J'avais trop chaud, j'étais en train de fondre. J'ai l'impression que j'allais devenir un métamorphe. Du coup, on va aller chercher les petits frérots. Et en vrai, je me demande où est-ce qu'ils sont. On va commencer par le salon. Je pensais qu'il y en a un qui s'est caché dans le frigo en vrai. Non, quand même pas. Pas bizarrement qu'ici. Non, personne dans le frigo. Je vais regarder partout, hein. Je vais avoir l'œil absolument partout. Je vais chercher dans les placards, dans les tiroirs s'il faut. Moi je suis un balade où vous savez bien comment je suis. Abonne-toi à la chaîne YouTube de Frites, juste en dessous. Tu cliques sur le bouton rouge, voilà, on attend pendant qu'il est en train de chercher. Voilà, là t'as le temps, voilà, regarde. Sur le bouton rouge, t'actives la cloche, c'est important. Allez, bonne chance Frites. Si je me mets là, il va descendre les escaliers, il ne verra pas. Je vais me mettre là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle de bain? Derrière le rideau? Personne derrière le rideau, malheureusement. Il fait 30 degrés. Soit il descend par là, genre, tu vois, par ici, et il me voit pas.
soir, il me voit et c'est fini pour moi dès le début. Hein. On va aller voir dans la chambre pourrie là. Tu sais, ils sont tous dehors, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils sont tous dehors. Je pense que les meilleurs planques c'est dehors. Voyons voir. Tu sais, des fois ils peuvent se cacher là en dessous des. Les poussins ils sont repris ici, tu vois. Ça tombe là, il y a quelqu'un ici, il m'entend, il est en train de se fendre la poire. Oh là. Il est con, il ne trouve pas. Où est-ce qu'il est? Personne en dessous des lits. Je pense que ça va être un peu compliqué, mais je suis sûr ils sont tous dehors. Parce que en fait c'est trop simple. Si j'arrive, bam, première chambre, forcément mon réflexe c'est de regarder dans les armoires. Faut vraiment être un peu con. Pour se planquer ici quoi, bah ouais c'est évident tu vois. Attends. Dooms que non mais vous pensez que. Imagine il y a Dooms ici au-dessus. Ce serait improbable en vrai. Ici peut-être derrière les rideaux. Observe la petit coup d'œil dehors. J'aurais ma main à couper, ils sont tous dehors, c'est sûr et certain. Mais quand même, il faut quand même que je prenne le temps de regarder un petit peu partout. Mais 100% ils sont dehors. Et c'est quoi cette chatte de malade que j'ai? Je suis mort de rire. Je suis vraiment gazé comme n'importe quoi. En plus je suis sur de la terre, je vais dégueulasser mon short, j'ai trop le seum. Personne là, à moins que. Il m'a fait peur. Et c'est Toby, frère. Toby, le nounours de la villa. Alors, en fait, j'ai l'impression de faire un home tour plus qu'un cache-cache vu que je suis en train de trouver personne et vous êtes en train de visiter toute la villa avec moi. Il grimpera jamais tout en haut sur le toit. Il grimpera jamais, c'est sûr. L'intérieur de la villa, c'est mort. Après, j'ai oublié. Il y a encore une pièce intérieure. Il y a la suite d'Antoine. Et je me dis, c'est la dernière pièce intérieure que je peux faire. Ensuite, je vais devoir aller exploser dehors. 100%, il y a quelqu'un dans la suite. Soit Antoine ou soit Raoul, je sais pas, peu importe. Ok, pour avancer, on va ramper. Mon ventre, ça brûle. Après, ça se trouve, Fred, il peut m'étonner. Et il peut se dire, tiens, je vais grimper en haut. Bah, je le connais, je pense pas. Magali? Magali, qu'est-ce que tu fais? Personne? Il a regardé partout dans la chambre, sauf dans la valise. Je suis mort de rire. Je me suis sali, je le sais. Et bah, officiellement, là, on a fait toutes les pièces intérieures de la villa. Du coup, j'ai commencé à chercher à l'extérieur. Et là... Magali, qu'est-ce que tu fais? Magali! Regarde, genre, tu vois? Ah putain, je me fais agresser par des moustiques! Je veux se transformer. En vrai, il se planque bien, hein? J'ai trouvé personne! Ça fait peut-être 15 minutes que je suis en train de chercher comme un coup. Et j'ai trouvé personne! Ah ouais, il y a le salon extérieur aussi! Il y a le salon extérieur, quoi, c'est. Aïe, mon pied. Putain, ah, j'ai trop le seum, mais mec. Mais... Tu es passé du mauvais côté. Eh gros, tu sais qu'à la base, en plus, t'aurais dû gagner du temps. Je les entends parler. Ça aurait été tellement incroyable pour la vidéo que tu passes au-dessus de moi, frère. En vrai, quand tu m'as vu et que j'ai fait semblant, t'as cru que je t'avais trouvé ou pas? Bah oui, j'avais compris. Ouais. J'avais compris. Mais j'ai trop le seum. Franchement, tu serais passé au-dessus de moi, mec. Ça aurait été un des meilleurs moments de la vidéo. Ça aurait été incroyable. Et je veux que le top commentaire de cette vidéo, juste en dessous, soit Antoine, t'es le meilleur. Oui, physiquement, pas faire mieux. C'est impossible de faire mieux. En vrai, c'est compliqué. Mais en vrai, on peut quand même souligner l'effort, la recherche de Sora. Il a tenté. C'était en fait, c'était un ça passe ou ça casse. Il avait une chance sur deux. J'entends parler Sora. Il a trouvé Sora, c'est sûr. Soit tu passais par là. Et c'est ça. Et tu trouvais pas. Soit je passais par là et. Soit tu passais par là et tu me trouvais. C'était une chance sur deux. Mais Dofi, je suis pas. En fait, j'ai fait tout l'intérieur. Et la dernière pièce intérieure, c'était la suite. Bon, en vrai, je suis bien. Enfin, non, je suis pas bien, j'ai chaud. Je suis bien parce que je vais gagner. J'adore. Non mais le short. Non ça va. On voit ton fiac pour la vidéo, c'est cool. Nickel, t'inquiète pour la miniature bon. Ouais pour la mini. Du coup bah les gars on a trouvé Sora en premier. Mais par contre, Dooms et Antoine. Et... Moi je sais où ils sont. Les deux chez où ils sont. Ah ouais tu sais où ils sont. Bah ouais. Il y en a un en fait tu le trouveras pas. Antoine tu le trouveras pas. Ah ouais. Parce que du moment où il a trouvé sa cachette, il gagnait. Et Dooms, tu peux la trouver, mais il va falloir que tu sois vachement plus malin que ça. Ah ouais. Et Dooms elle a eu de l'aide donc. Mais tu me mets la pression ou quoi? Je te mets un indice, Dooms elle a eu de l'aide. Je sais pas si je suis le dernier en fait. Écoutez, en vrai de vrai, ma cachette elle était pas si mal hein. Mais je pouvais pas rivaliser. Entre l'autre qui va se cacher dans une valise et qui se fait aider, et l'autre qui grimpe tout en haut et qui se fait aider. Et vous vouliez que je fasse quoi? Dites-le dans les commentaires. Sora, t'as fait tout ce que t'as pu. Dans le barbecue, Dooms? Hé, hey, Dooms? T'es dedans, Dooms? J'ai besoin d'indices, gros. Flavie, Dooms, elle est à l'intérieur. Antoine, ouais. Il est à l'extérieur. Ah ouais? Franchement, c'est un bel indice. Ok. Antoine? Ouais! Ah ouais, il est dehors. Attends, je vais voir. Bah, la tienne, elle est super grande et Dooms est super petite. Elle est où? En plus, mec, il y a ma valise au-dessus. Non, elle s'est pas mise là, elle serait en train de crever. Si Dooms est là-dedans, elle serait en train de mourir. Oh! Mais les temps, frère! Mais mec, j'ai l'impression d'avoir ouvert un Kinder Surprise, mec! Mais meuf, tu respires! Mais tu devais crever là-dedans! Ouais, j'en ai. En plus, elle était fermée, elle était fermée sur la clé, hein! Fermeture éclair, non, hein! J'avais pas. Mais en plus, elle s'est mise dans la chambre où il n'y a pas la clé, mais. Il n'y a pas la. Du coup, t'es. Attends, on va t'aider quand même! T'as... Elle a dû crever à l'intérieur! En vrai, GG, hein! Mais en vrai, bien joué, Dooms! Oh, ouais. Je suis deuxième, je pensais que ma cachette était en train. Mais au moins. Non, en fait, Antoine, du moment où je lui ai dit à se cacher où il est, il est gagné. Oh non, et moi, elle était trop.
Là, les gars, il va falloir me donner des petits indices en dehors. Tu veux un indice? Let's go. Antoine! Ouais! Il est là-bas. Il est en hauteur sur le toit. Je te l'ai dit, Antoine, c'est un mec de sport extrême. 100% il se met sur les toits, lui. Mais comment est-ce qu'il a fait pour aller sur les toits, courte échelle? Il est sur le toit là, en fait. Sur le toit là, mais de l'autre côté. Il est même sur le en toit. Excellent, ça! Et Sora, j'espère il m'a pas bouga. Putain. Allez, Antoine, je sais que t'es là. Mais mec, j'ai trop peur. Je crois que c'est fini. Ouais. Regardez, il est juste là. Ah, il était en train de monter. Mais gros, je savais, du moment où t'étais en haut, jamais il serait venu te chercher là. Ah, donc j'ai gagné en fait. Bah oui. En vrai, elle a dû avoir super chaud. Elle est trop forte. Et t'as réussi à la trouver? Non, pas, je l'ai trouvé en deuxième. Et il m'a donné un indice. Il m'a donné un indice, il m'a dit elle est à l'intérieur. L'indice, je pars en voyage. L'indice c'était Doom à l'intérieur. Ouais, mais quand t'as fait tous les placards et tout. Ouais. Frère, vraiment, fallait que la vidéo se termine, gros. D'ouf. Bon, bah, c'est gagné. Deuxième manche, les gars, mais franchement, GG Antoine, hein. GG, gros. Parce qu'en vrai, là, j'aurais jamais été. T'as été vraiment super fort là. Et Doom aussi, on va tout le monde. Vous avez des bonnes planques. Bah, bon. Sora, parce qu'il était trop embrouillé. Ouais, c'est vrai. Personne n'a aidé, moi, j'étais tout seul. C'est d'ailleurs toi qui vas chercher, gros. Pour la deuxième manche, frérot. Ouais, mon pote. Soit Sora, Dooms ou Antoine, bonne planque. Bon, les petits bougos, on a un petit problème pour la deuxième partie du cache-cache. En fait, la caméra d'Antoine n'a pas filmé toute la partie où il était en train de se cacher. Il a cherché, mais il m'a dit qu'il n'avait pas réussi à mettre la main sur les fichiers. Donc, je pense que la caméra, du coup, n'a pas filmé. Donc, on devra faire sans le point de vue d'Antoine, malheureusement, pour la deuxième partie. Mais j'espère quand même que ça n'enlèvera en rien le plaisir que vous allez avoir en regardant ce cache-cache. Voilà, mais je tenais quand même à vous informer pour pas que vous soyez surpris si vous voyez pas Antoine. 3, 2, 1, go! Parti, les gars. Ouais, j'ai une petite chaise pour me mettre là. Je vais casser les chaises. Je vais pas me mettre là. Oh là là, mais. Oh, il fait si chaud, mais c'est terrible. Ouais, derrière un rideau comme ça dans une douche, il va peut-être pas aller vérifier derrière le rideau là. Dis-moi si on voit. En vrai, mec, j'ai regardé partout moi. Mais moi là. Un peu compliqué la salle de bain. La chambre, mais non, c'est déjà vu. En vrai, vaut mieux aller déjà loin. Loin ouais, dans la villa, tu vois. Bon, en vrai, je vais voir parce que je crois que j'avais repéré des planques plutôt sympas. Je sais plus, dans une chambre ou quoi, il y avait une bonne planque. Derrière. Derrière là, non. Bah, il faut le tirer, hein. Dans la suite d'Antoine, il y a une putain de planque de bâtard que j'ai repéré tout à l'heure. Oh, ça va être trop bien. Je suis sûr que la planque, elle va être incroyable. Comme ça. Pousse. Je pousse un peu, tu me dis. Ouais, pousse. Ouais, pousse. C'est bon. Je peux plus. Une putain de cachette. Yeah. Hop, voilà, pour faire genre qu'il y a quelqu'un. Et en fait, ici, si j'arrive à mettre derrière là, ce serait incroyable. Oh, mais c'est chaud quand même, en vrai. Je sais pas si je pose ma tête, tes mains là. J'ai pas envie de poser ma tête. Ça va être long, 3 minutes. Putain, par contre, mon bras gauche, il prend trop cher dans cette vidéo. Je pourrais pas rentrer là-dedans. Oh merde, c'est trop chaud. Je suis pas bloqué là. Je vais laisser le lit comme ça pour le perturber un peu. Merde, il faut que je trouve une planque vite. Il reste déjà plus que 1 minute 10. En vrai, ça passe super vite. On se rend pas compte, mais 3 minutes 30, ça passe super vite. Du coup, là, dans pas longtemps, j'y retourne quoi. Par contre, j'espère qu'ils vont pas se recacher sur le toit quoi. Parce que je grimperai pas. En plus, je me suis blessé au dos. Je me suis blessé de fou au dos. Je sais pas si on voit, mais on m'a fait des. Oh, regarde, on voit un peu. En fait, on m'a fait des cloches là. Les cloches qui sucent la peau là, pour que j'ai moins mal au dos. Et genre, je peux pas grimper. Je suis blessé. Je suis un blessé de guerre. Je me baladais et 14 mecs me tombent dessus. Hop, droite, esquive. Ensuite, je fais quoi? Je commence à sprinter. Je saute sur un mur. Hop, je me retourne. Tu percutes vers le bas. Je vais me faire bouffer, mais. Merde, le chien. Chut. La chaîne est en train de me cramer en fait depuis tout à l'heure, ce fou. Je vais me mettre là, derrière cet arbre là. Et là, je mets un gros coup de tête sur les 14 personnes. Ce que je pensais, il y en a 13 qui tombent. Le dernier reste debout. Et je l'avais pas vu, tu vois. Je commence à faire ouais, je pars en victoire, je pars en danse Fortnite, genre comme ça, tu vois. Pourquoi il y a un chien qui aboie? Qu'est-ce qui se passe? Rien qui est de caché derrière des végétations. Et là, le mec il me prend l'épaule, grosse patate dans le dos. Et là, je commence à tomber par terre. Il commence à me donner coup de pied, je chope son pied, hop, je le retourne, je le fracasse. Et c'est bon, je peux partir. Mais du coup, blessé quoi. J'ai dormi dans une mauvaise position sur un canapé. Et je joue la carte de. Je me mets bien loin à l'extérieur. Parce que forcément, il aura le même réflexe que moi de fouiller d'abord à l'intérieur et ensuite seulement de venir à l'extérieur. Donc je me dis, je vais pas gagner le cache-cache, mais au moins une deuxième, ce serait cool, tu vois. Donc à voir. Les frérots, caché ou pas caché, j'arrive! Il est là. Il y a une porte qui est ouverte là. Ça, c'est un leurre, je connais ça. Alors attends, parce que je vais tous les trouver en one shot, vous allez rien comprendre. Oh, il y a ouais, le coup de la valise, s'il vous plaît, pas deux fois. Ok. Ok, je comprends. Il y a la porte, rien. Ici là, dans les placards. Ça aurait pu. Non, impossible, pas en haut. Oh, ça aurait été incroyable. Et Antoine, ce bâtard, il s'est super bien caché. Il s'est caché dans la piscine, genre là. Il s'est caché dans l'eau, dans le coin de la piscine. En vrai, il est trop bien planqué. Je suis sûr, il va pas penser à aller regarder dans l'eau.
Alors, ma chambre, du coup, est-ce qu'il y aurait quelqu'un sous le lit? Non. Dans le placard? Non plus. Là, franchement, tous les autres chambres, c'est impossible que quelqu'un soit caché. J'ai regardé toutes les cachettes, c'est impossible. C'est un petit peu trop long. Je sais pas si lui-là sera pour l'instant. Chut. Bah écoutez, on va chercher à l'extérieur, hein. Vous êtes pas allé vous remettre sur le toit, quand même, pas une deuxième fois. Non, on est en bas. Ici, quelqu'un? Non, personne. On est d'accord qu'il serait pas allé se mettre là, hein. Pas chez les voisins. Là, je vois le... Je crois, Frit, t'es là, mon frérot, hein. Oh, mon petit pote, j'ai quand même l'impression que t'es ici, quoi. Mec. Putain. Mais mec, gros, j'avais tout contre moi. J'avais les insectes qui me bouffaient. J'avais le chien qui aboyait dès que je parlais un peu fort. Ah ouais? Ouais, derrière. C'est toi qui l'aboyait? Mais oui, c'est pour moi. Du coup, je me suis dit, mais ça, à tout moment, il aboie et il me crame, en fait. Eh ben, je t'ai trouvé, gros. Putain, et en plus, j'ai un t-shirt blanc, mec. Attends, eh, en vrai, il y en a pas un qui est revenu en haut, sur le toit? Je sais pas du tout où sont Antoine et Doom, parce que je me suis caché vraiment de mon côté. Eh ouais, mon petit pote, il va falloir chercher davantage. Je crois pouvoir te donner un petit indice pour Antoine. Mais Doom, par contre, j'ai zéro idée. C'est... Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est le boss du cache-cache. Parce qu'il grimpe, en fait. En fait, il grimpe, il ose surtout. Il ose. Il ose des trucs, tu vois. J'en étais sûr que dans un coin comme ça. Je me suis dit, Flavie, je savais qu'elle était dans un coin genre que vraiment personne pouvait aller dans les tout petits coins, tu vois. Ouais. Parce qu'elle a l'avantage de la taille. Oh la galère. Alors lui, du coup, il a dû grimper quelque part. Il est quelque part. Ouais, je vais le trouver, je vais le trouver. C'est juste qu'en fait, je préférais trouver les gens qui avaient des cachettes plus simples comme vous parce que je savais que vous alliez pas grimper que lui, tu vois. Lui, je suis sûr, il a grimpé dans un truc chiant, tu vois. Il doit être dans un truc de la forêt, dans un arbre ou quoi, je sais pas. Et mec, mais gros, attends. Attends. Il va tenir combien de temps, tu penses? Je crois qu'il est mort, hein. Il est là depuis que je me cache. Attends, je me demande combien de temps il va tenir. Fais 10 fois. T'es fort, je frère. Te lève la tête, t'es là. T'es fort. Et en fait, fort. À chaque fois que je lève la tête de l'eau, tu regardes pas dans la piscine. Du coup, à chaque fois, j'ai le temps de remonter, de redescendre. En vrai, j'ai pas regardé dans la piscine. En vrai, t'es fort, j'ai pas regardé dans la piscine. T'as vraiment pas regardé dans la piscine? Non, en fait, j'ai pas regardé une seule fois. Sinon, je t'aurais trouvé direct. T'es là, je suis en mode. Mais il m'a pas trouvé. Mais en vrai, mec, t'es passé. J'aurais regardé dans la piscine. Je t'aurais trouvé. Mais oui, mais en fait, tu m'as vu là. Tu sais que ça trahit tes vêtements. Ouais, bah ouais. T'as vu mes vêtements? J'ai vu tes vêtements et je me suis dit, ok, il est dans la piscine. En plus, avec la gage, je me suis dit, vas-y, faut que je cache mes vêtements. Mais gros, mais c'était trop tard, mec. T'es bon. Pas mettre de l'eau à l'extérieur, la seule eau que j'ai mis là. Mais en vrai, déjà, je savais que t'étais soit dans un truc grimpé, soit dans un truc relou. Donc, je me suis dit, je vais trouver les deux déjà, tu vois, parce que les deux, c'est sûr que je l'ai trouvé avant. Et toi, je me suis dit, doit être à l'extérieur, c'est sûr. Mais je savais pas où. En vrai, t'as eu de la chance. Comme moi avec Frit, t'as eu de la chance. J'aurais regardé dans la piscine. La chance, je t'aurais. Non. Le talent. Il est bon. En vrai, de vrai, j'aurais regardé dans la piscine. Je t'aurais trouvé direct. Ok les gars, du coup, bah c'est la fin du cache-cache. En vrai, je pense qu'on peut clairement le dire. Ouais, celui qui a été le meilleur. Ouais, comme toujours. En vrai, on a quand même, je trouve, c'est bien donné. Tu vois, on a quand même essayé de se. Moi, je me suis foutu là-bas. Genre, je me faisais grailler les jambes par les insectes. Il y avait un chien qui a voyé. Ton gros fiac. Mais le chien aussi, il le voyait, mon gros fiac. T'as vu son fiac? Mais je crois que le chien il le voyait aussi, du coup il la voyait, tu vois. Doom elle s'est cachée dans une valise, elle devait crever de chaud, genre elle devait s'étouffer, genre à l'intérieur. Donc franchement, bah GG les gars, en vrai vous êtes bien donné, ça fait plaisir. Ouais. Et surtout, bah bravo Antoine. Hein, pour et merci, moments, on peut m'applaudir, hein, je pense. Hein. Abonnez-vous à cet homme, Scoot the Street. Abonnez-vous également à Sora, à Doom. C'était vraiment très sympa de faire ça dans la villa, en plus le cadre est idéal, du coup. Trop bien de tourner dans le magnifique. Ça change, il fait chaud sa mère, mais. Ouais, il fait super chaud. Mais en vrai, on kiffe. Il y aura des vidéos aussi sur la chaîne de tout le monde un petit peu. Du coup, bah restez connectés, restez au rendez-vous. Allez voir tout ça, allez les suivre et merci d'avoir regardé cette vidéo. Petit pouce bleu, commentaire si t'as kiffé. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Mais oui, c'est parti. Ciao, ciao.